Salut les amis, on va éviter de perdre du temps. Donc je suis en train d'installer le matériel. Donc l'enquête démarre pratiquement tout de suite. Donc c'est un endroit très spécial. Nous sommes très chanceux. Nous sommes dans un fort, le fort de la Seine-Magne, qui était utilisé pour la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je suis en train d'installer le matériel tout doucement. Isabelle va arriver. Donc j'ai pris un peu d'avance pour installer le matériel. Et après, il va me rejoindre. Donc je vais commencer l'enquête seule. Je suis à 30 mètres de profondeur. C'est énorme. Pas mal de bruit. Pas mal de bruit. Il y a pas mal de bruit naturel. Une source d'eau. Donc faut pas s'étonner à entendre l'eau couler, il faut faire très attention. Selon les histoires, il y a eu déjà des apparitions, des réactions. Donc il faut savoir que ce fort a été utilisé pour la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un fort souterrain qui se trouve à 30 mètres de fond. Il a été construit à la place d'un ancien fort qui avait déjà été construit dans les années 1800, dans la fin des années 1800. Je ne vais pas dire de bêtises, donc je vous mettrai les dates. Et l'ancien fort était là pour la Première Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de morts pour la Première Guerre mondiale. Un seul décès à la Seconde Guerre mondiale, et encore c'est un accident. Des médiums sont déjà passés, ils ont vu dans cette salle des gens avec des pantalons rouges, qui est très représentatif de la Première Guerre mondiale. Donc on va installer du matériel ici. Donc il faut savoir que les corps des squelettes de personnes de la Première Guerre mondiale, des soldats, qui étaient présents quand ils ont construit les lieux, reconstruit les lieux, ils se sont pas embêtés, ils ont tout balancé. Ils ont construit au-dessus. Là, il y a un générateur. Je vais l'éteindre. Donc il est en plus courant. Je serai dans le tour total. Donc je vais installer le matos. Si je vais installer du matériel. Et on va voir ce que ça donne. Je vais installer la caméra ici. Standard téléphonique, c'est la radio. Chambre pour 6 officiers. 6 officiers. Donc c'est là-bas que j'ai mis mon matériel. On voit qu'il s'allume. C'est parfait.
Si Maurice me demandait de venir l'enquête, c'est moi. Enfin, ça pourrait être lui, parce que j'ai tapoté la porte. Bonjour. Je m'appelle Ludwig. Je suis pas venu vous déranger. Je suis venu pour essayer de rentrer en contact avec de potentielles personnes qui pourraient encore vivre ici. Je vais disposer pas mal de choses, je les ai disposées, qui me permettraient de confirmer votre présence. À terre, il y a une balle. Pas pour des enfants, mais juste la faire bouger, ce serait, ça permettrait de savoir que quelqu'un est présent. Ensuite, vous avez des petites caméras, donc tout ce que j'ai installé est inoffensif. Ça me permettra de rentrer en contact avec vous. Ce que j'ai devant moi, à la gauche, c'est un appareil. Un détecteur AMF, que pareil, rien de dangereux, il suffit juste de vous approcher de cet appareil, il se mettra à clignoter. À clignoter, il y aura juste des lumières qui vont s'afficher, vous allez voir. Et à droite, à ma droite, l'objet noir, il s'agit d'un enregistreur numérique. Donc il n'y a pas de. Rien de bien sorcier, c'est quelque chose qui va enregistrer votre voix. Donc si vous essayez de parler, vous pouvez parler dedans. Et je vous entendrai. Voilà, je vais mettre ensuite mon casque. Je vais essayer de très peu parler. Pour essayer de vous entendre.
savoir que ça tombera bien entendu, comme vous le voyez, un excellent état, parce que il appartient à une association. Et on a eu l'autorisation qui entrait, donc on est privilégié, on la prend tout seul. C'est juste une idée. Je vais terminer. Ça va donner. Merci, j'ai bien. Je me suis déjà présenté, je vais le refaire. Je m'appelle Ludwig. Isabelle va me rejoindre. Un instant à un autre. Nous serons deux, nous sommes là juste pour essayer de rentrer en contact avec, avec vous. Les appareils sont positionnés. De rentrer en contact avec des vivants. Il suffirait de toucher des objets, ceux qui sont à terre par exemple. Juste de vous approcher par exemple de l'appareil qui est positionné contre le lit. Je vais mettre mon casque et je vais me balader. Si vous... Je vais y aller en silence et si vous avez envie de rentrer en contact, n'hésitez pas à parler et peut-être que je vous entendrai. En fait, ça résonne et ça fait bizarre de parler un peu trop fort. J'entends ma voix qui résonne et j'ai l'impression de parler avec moi-même. Bon, allez, je mets mon casque. Je suis en train de retenir ma respiration. J'entends quelque chose. Donc il y a une source d'eau. Donc il y a un bruit continu, c'est la source d'eau. Là je l'entends quand j'ai le casque plus clair. J'ai l'impression qu'il y avait un autre bruit en fait.
assez de l'eau. J'ai l'impression d'entendre crier. J'ai l'impression d'entendre crier en fait. C'est super bizarre. J'ai l'impression qu'on a touché une personne. C'est vous qui avez fait ça? Est-ce que vous pouvez essayer de le refaire, s'il vous plaît? Touchez-moi. S'il vous plaît.
respiration. Y a quelqu'un ? Parce qu'il y a des sources d'eau, de l'eau qui coule, donc ça s'est amplifié. Par idolie, c'est possible. Par idolie, en fait, vous pouvez l'avoir en visuel. Vous regardez un nuage et vous trouvez une forme. Donc c'est naturel, c'est un réflexe. Vous essayez de reproduire quelque chose que vous connaissez. Et la même chose côté son. Donc vous allez entendre des bruits, on va prendre ça pour des pas. Donc parfois, ça ressemble vraiment très fort à des pas. Là, j'attends que une respiration, si ça tombe, c'est juste les sons de l'eau qui résonnent. J'ai l'impression que c'était quand même très proche de mon casque. Faut vous imaginer que je suis dans un fort quand même qui est de... qui date. Après, les Allemands en fait sont passés. Bonjour les gars, salut. Les Allemands sont venus. Ils ont pris tous les forts les uns après les autres. Comment ils se sont pris, c'est facile. Ils ont bombardé. Canardé les lieux, ils ont défoncé de l'extérieur. Ils ne pouvaient pas les atteindre à 30 mètres de fond. Par contre, ils pouvaient les avoir par la surface. Donc avec la poussière que ça produisait au bout d'un moment, il n'y avait plus d'air en fait, ici. J'ai une caméra qui vient de s'éteindre. Putain, j'ai jamais eu... Il fait froid, il fait 12 degrés. Je ne sais pas quelle température, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est bien 12 degrés. On ne sait pas ce qui s'est passé ici. Donc il y aurait eu des prisonniers de guerre. Ce qui serait pas idiot dans la description. Vous voyez comment c'est. Il y a une seule sortie possible. Donc, allez vous sortir de là. C'est impossible. Mais là, j'avais l'impression d'entendre des petites dans ce couloir, pas moi.
Parce qu'on tourne des voix et des machins. Enfin, tu vois, tu me dis ce que toi t'en penses. Courage. Et moi, je fais. Merci beaucoup. Tu vas venir ? Mais j'ai amené un infrarouge. Parce que je me dis peut-être que ça les gêne. Je me vois pas. C'est bien ? Ouais. Allez, à tout à l'heure. Comme une voix au loin derrière. Donc c'est pour ça que je me suis retournée. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Est-ce que c'est vous qui chuchotez ? Que vous puissiez voir en bas de la scène. C'était la façon de vous donner. Et donc, ça tient à l'écho ici.
Est-ce qu'une ou plusieurs des éventuelles entités seraient présentes ici avec moi? Est-ce que vous avez vécu en 14, vous voyez? En 40? Est-ce que vous êtes toujours en cellule aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en colère? Ou au contraire apaisé? Est-ce que vous êtes bloqué ici, dans le fort? N'hésitez pas à vous manifester. On est ici pour comprendre. Essayez de relayer votre histoire ou vos histoires si vous êtes plusieurs ici. Faire connaître. Je me suis fait une petite peur toute seule. Mais j'ai entendu une voix. Est-ce que vous pouvez répéter? Donc je disais que nous sommes aussi ici pour faire connaître votre histoire, votre vécu. Faire connaître. Je me suis fait une petite peur toute seule. Viens juste là, t'as dit un ouf, d'un coup, t'es. Je crois que j'ai senti le respirer. Ça, c'est Paul. C'est Paul. Et juste avant, j'ai entendu un. Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Est-ce que vous vous dirigez vers nous? Est-ce que vous voulez qu'on aille à votre rencontre? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? De très important? J'ai entendu un truc dans mon casque. Pouvez-vous le faire sonner encore plus fort, s'il vous plaît?
Il faut juste vous approcher encore plus. Pouvez-vous commencer, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas décédé ici? Pouvez-vous vous rapprocher, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes de passage? Est-ce que vous vivez ici encore? Qu'on a perdu au moins 10 degrés d'un coup. J'ai des frissons et tout. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une présence dans l'infirmerie? C'est un lieu qui pourrait être chargé d'énergie. Plus je marche, plus il fait froid. Je sais pas si vous pouvez voir le petit plan. Est-ce que c'est par cette sortie de secours que vous avez dû vous échapper? En tout cas, j'aurais apprécié visiter ce lieu. Est-ce que c'est vous? J'ai cru entendre un oui. Est-ce que vous pouvez répéter? Thank you.
vous avez essayé de rentrer en contact avec nous, on vous remercie. Ouais. C'est... Il fait froid en fait, c'était pas évident. En tout cas, merci et puis bon repos, comme on dit pour chez nous. Et puis... Bon repos. Et puis des bisous. Et puis toi aussi, des bisous. Des bisous. Des bisous. Bisous.